cette animation annuelle que nous faisons, le Bien Bon, c'est bien sûr pour toujours insister sur la nécessité que nos citoyens découvrent et s'habituent à nos produits, produits qui sortent du terroir et qui donnent une valeur ajoutée à notre territoire. Il y a aussi l'agroalimentaire qui aujourd'hui est dans une mutation qui apporte une amélioration des produits. Bien Bon, c'est une semaine d'événements et avec plein de nouveautés cette année. On a eu d'ailleurs un repas pour faire l'inauguration, le repas à l'Opéra, l'Opéra Bouffe. On a encore plus de rencontres avec les producteurs, avec des tours gourmands qui ont eu lieu mercredi, à vélo, à pied, de ferme en ferme. On a tout. On a le sel, on a l'huile d'olive, on a le poisson. Je ne vois pas pourquoi on irait chercher des produits dans des pays qui ne respectent pas les normes européennes comme nous on les veut, qui ne sont pas forcément, bien évidemment, plus chers. Il suffit de les chercher, de les sourcer. Nous sommes sur l'événement Bien Bon pour proposer des recettes simples du quotidien à base de légumineuses. L'idée, c'est de discuter d'alimentation durable. C'est une alimentation de qualité à base de produits biologiques, accessible à tous et qui limite son impact sur l'environnement. Nous avons participé tout au long de cette semaine à la mise en place du menu des cantines animées. L'éducation du goût commence par dans le cadre de ces cantines scolaires. Alors, dans le programme Bien Bon, ce qui m'a séduit avant toute chose, c'est le fait d'exposer, de faire goûter, de proposer, de donner une valeur ajoutée à tous ces produits, les sublimer sur un produit simple. Un bon assaisonnement peut faire la différence. Je découvre ce festival, j'ai vraiment apprécié, il y a plein de produits locaux, il y a de la qualité, de la convivialité. Je pense que je reviendrai chaque année, honnêtement, c'est génial. On découvre qu'on a beaucoup de choses à portée de main et qu'on ne regarde pas. Et c'est vraiment un festival utile et qui sert tout le Grand Avignon, je pense. Alors vous vous êtes régalé l'année dernière, cette année, et on vous attend l'année prochaine pour la troisième édition de Bien Bon.